n'a pas pu. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Partagez, s'il vous plaît. Soyez bénis. Sois béni, Isho Samba. Mohamed Fushimi, sois béni. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont présents. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Partagez, partagez. Nous allons discuter un peu. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs partagés, je ne vais pas rester longtemps partagé. Nous allons passer un petit moment ensemble. Kofi Kwaku, soyez tous bénis. Dieu est avec vous. Mettez massivement les cœurs, partagez. Il s'agit de chacun de nous. Il s'agit aussi de des pensées, des paroles pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Voilà, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ok, sans plus tarder, je vais me concentrer. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous salués. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, soit avec vous tous. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre bord politique, quelle que soit la foi que vous partagez, que vous vivez, que Dieu soit avec vous. Je suis votre frère, le bishop Melchisedec. Il est arrivé un moment où le nom Atia Normal a fait fureur, où on en a beaucoup parlé. Je suis là ce soir déjà pour vous saluer et pour que vous compreniez que je suis aussi de retour d'un long voyage.
un long voyage. Un voyage qui a été un voyage physique et aussi un voyage spirituel et un voyage de méditation, un voyage de prise de conscience, un voyage de réflexion, un voyage dans lequel je suis rentré en moi, où j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de réalités, et qui m'a permis aussi de comprendre les choses autrement et d'une autre manière. J'ai observé beaucoup de choses à distance. J'ai constaté beaucoup de choses à distance. Je ne me suis pas mêlé de certaines choses parce que ça ne me regardait plus ou ça ne me regardait pas. Et je suis de retour, pas pour, comme on disait avant, pour guinzin, non, mais pour une nouvelle direction. Je n'ai pas vécu le 31 décembre, je n'ai pas vécu Noël avec mes enfants, avec ma famille. Je n'étais pas présent. J'ai voyagé avant Noël. Je n'ai pas fait le 31 avec ma famille. J'étais absent. J'ai même raté l'anniversaire de ma femme. J'ai raté l'anniversaire de ma fille. C'est hier seulement que je suis venu, je me suis un peu reposé. Demain, je vais démarrer un direct de prière. Demain, on aura un puissant direct de prière. La bouche autorisée va proclamer sur certaines personnes. Elles vont voir la réalité dans leur vie. J'ai eu le temps aussi d'avoir certains éléments que j'en avais besoin pour fabriquer. Déjà, vous pouvez passer vos commandes auprès de la secrétaire pour fabriquer le savon d'ouverture, l'huile de mystère qui permet la guérison et aussi le parfum d'attirance. Il y a des éléments de la nature qu'on ne trouve pas en France, que j'ai été obligé de chercher dans certains endroits, surtout en Afrique. L'Afrique est bénie. Donc, j'ai ramené le savon, le parfum et l'huile sainte. Donc, on va toujours rajouter le mot saint, le savon saint d'ouverture, le savon saint d'ouverture, d'attraction, l'huile sainte de guérison, de mystère, et aussi, comme on appelle, le parfum d'attirance. Et ces éléments sont là. Voilà, vous pouvez contacter la secrétaire pour vos commandes. Elle vous dira, elle vous mettra en contact avec moi ou elle vous dira combien vous allez les avoir. Ce sont des éléments qui coûtent très cher parce que c'est des éléments, la nature coûte très cher. Tout est cher aujourd'hui dans ce monde. Bref, c'était juste une petite publicité. J'en parlerai plus demain. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes content de me revoir. Avant le 31, ma page était en restreint parce que j'avais fait un dernier direct où je crois que j'avais, je ne sais pas qui j'avais clashé, qu'est-ce que j'avais fait, mais je ne me rappelle plus parce que je ne m'intéresse plus à certaines choses. Et ma page était en restreint. Après 30 jours, après la page est redevenue normale. Je vous informe aussi que j'ai droit aux étoiles. Vous pouvez envoyer des étoiles. Voilà, vous pouvez envoyer des étoiles sur le direct. Je vous recommande de partager massivement les directs, de les envoyer à vos frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Alors bref, je vais aller droit au but parce que demain, ça sera un direct de prière. Et ce soir, je voulais parler avec vous. Beaucoup de personnes m'entendent pas parler depuis un moment de politique, depuis l'histoire du Mali, depuis l'histoire du Burkina et depuis, bon, j'étais en voyage comme je vous l'ai dit. Et quand je voyage, je me concentre sur ce pourquoi je voyageais. Donc, il faut savoir se retirer, il faut savoir fermer sa bouche de fois, il faut savoir être en restreint, il faut savoir deux fois même s'arrêter. Il faut savoir deux fois s'arrêter. Je vais couper ma musique. Je vais couper ma musique pour être plus concentré. Je voulais saluer tous les Africains du monde entier. Je voulais saluer tous les Africains du monde entier. Je veux commencer à m'adresser d'abord aux Africains de la diaspora, de l'Europe, des États-Unis,
du Canada, de partout dans le monde entier. Vous savez, l'Afrique est une richesse. L'Afrique est une grande richesse. Nous avons quitté notre terre natale. Nous sommes aujourd'hui en Europe. La plupart d'entre nous, certains sont français, américains, canadiens. Nous sommes de la diaspora. Mais nous avons des frères et sœurs qui sont en Afrique, qui nous regardent. Nous sommes pour eux des modèles. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas voyagé dans un seul pays. J'ai fait 3 mois de voyage. J'ai voyagé dans plusieurs pays. J'ai été même, on va dire, en Côte d'Ivoire, parce que j'étais presque en Côte d'Ivoire. J'ai été presque en Côte d'Ivoire. Ouais. Je ne veux pas citer tous les pays, mais mes pieds sont arrivés au Burkina. Mes pieds sont arrivés. Je ne vais pas tout citer. L'Esprit de Dieu me dit que ça ne sert à rien de citer. Mais j'ai été dans plusieurs pays, et des pays frontaliers même à la Côte d'Ivoire. Et même, je peux même dire que mes pieds sont rentrés en Côte d'Ivoire sans que vous le sachiez. Ce n'est pas ça le plus important. J'ai vu dans ce voyage la valeur de l'Afrique. La valeur de l'Afrique. La force de l'Afrique. Les capacités de l'Afrique. Et j'ai eu mal au cœur de voir toutes ces valeurs, ces capacités, être, c'est-à-dire ne pas être exploité. En réalité, nous qui sommes en Europe, nous qui sommes dans la diaspora, devrions, avec ce que Dieu nous a donné à l'extérieur, pouvoir retourner chez nous pour faire révaloir notre Afrique. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, à cause de certaines politiques ou à cause de certaines mentalités, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas ce qui se passe. J'ai vu une histoire qui m'a beaucoup frappé. Un jeune qui avait des diplômes, mais de très grands diplômes, qui m'a trouvé devant un supermarché qui était en train de suer mes vitres. Les vitres de la voiture dans laquelle j'étais. Et je lui ai dit que ce n'était pas la peine parce que la voiture était sale. Et qu'il fallait que je l'envoie au lavage. Et le jeune homme me dit, ah, vraiment, tonton, laisse-moi juste essuyer un peu. Il insiste. Après, je lui dis, non, ça ne sert à rien. Tu vas rayer la peinture avec le chiffon sec, là, ça ne sert à rien. Je lui ai quand même donné quelque chose. En lui donnant un billet de 500 francs, ce jeune homme a commencé à me dire, vous savez, j'ai tel diplôme, j'ai fait ceci, je fais cela, mais je n'ai pas de travail. Je suis obligé de faire ça pour manger. Je l'ai regardé, je lui ai redonné encore de l'argent. Je lui ai dit, tu me touches parce que, au lieu d'aller voler, d'escroquer, avec tous les diplômes que tu as, ce que tu es en train de faire est un exemple. J'ai vu plusieurs cas, des papas, des pères de famille, qui sont obligés de s'arrêter quelque part pour garer une voiture avec un sifflet dans la bouche. J'ai vu des taxis, motos, où parce que les gens n'ont pas d'argent, ils sont obligés d'être 3, 4, 5 sur la moto. Des femmes avec leur bébé sur une moto, avec des bagages sur la tête, des bagages dans le dos. J'ai vu des gens qui, même pour avoir 200 francs, 300 francs, CFA, c'était une douleur pour eux. Alors que la terre africaine est riche. Alors que la terre africaine n'attend que d'être exploité. Et beaucoup d'enfants, de fils de l'Afrique sont en Occident. Mais hélas, certains sont peut-être en exil. Hélas, certains ont peur de rentrer chez eux. Hélas, certains peut-être ne croient plus à leur projet chez eux.
Je veux prier d'abord, sans condamner qui que ce soit, que Dieu permette que ce soit possible. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains en Occident qui ont des connaissances, qui ont des moyens, qui aimeraient vraiment exploiter aussi leur Afrique. J'ai vu des choses qui m'ont touché, c'est que quand un blanc à la peau blanche arrive quelque part, il est comme un roi. Et quand un noir arrive dans le même endroit, c'est comme s'il n'a pas de valeur. J'ai reproché une dame. J'étais allé chercher un bureau pour un jeune homme que j'étais en train d'aider pour ouvrir un studio pour l'aider à avancer. Je suis allé chez un menuisier qui était sur la route pour prendre un bureau. Je vois une dame qui arrive avec un blanc pour faire sa commande. J'étais assis. C'est presque comme si la dame voulait me demander de me lever pour que le blanc s'asseye. Je l'ai regardé, je lui ai dit, madame, celui-là n'est pas plus important que celui-là. Et je disais à côté, le lieu d'où il vient, j'y viens aussi. La nationalité qu'il a, je l'ai. Pourquoi quand vous voyez les blancs, mettez les cœurs partagés, je le dirai, je ne fais que commencer. Pourquoi quand vous voyez les blancs, vous les mettez au-dessus de vos frères noirs? J'ai vu des jeunes filles de 13 ans, de 16 ans, de 17 ans, avec des vieux blancs à la retraite, qui ne peuvent même plus marcher juste pour de l'argent. Mettez les cœurs, partagez le direct. Alors que leurs frères, jeunes, vaillants, héros, sont là. Ils cherchent une femme, ils n'en ont pas parce que ces filles sont obligées de chercher de l'argent pour se nourrir. Elles sont obligées. Elles savent que ce monsieur-là, ce blanc, peut-être que je n'aime pas sa tête. Peut-être qu'il est vieux, il n'arrive même pas à marcher. Mais je vais traîner avec lui exprès parce que j'ai besoin d'argent. J'ai vu beaucoup de souffrances dans des villages, en ville, dans beaucoup d'endroits. J'ai eu mal au cœur. J'ai même dit à Dieu, pourquoi ceux qui ont le cœur que j'ai, pourquoi ceux qui veulent faire du bien, pourquoi ceux qui peuvent construire des écoles gratuites? Pourquoi ceux qui peuvent construire des hôpitaux gratuits? Pourquoi ceux qui peuvent aider tous ceux qui voient sur leur chemin n'ont pas autant de moyens que ceux qui sont méchants? J'ai posé la question à Dieu. Je n'ai pas encore eu de réponse. Dieu seul sait pourquoi. Je tendais ma main à n'importe quel endroit, de sorte que par jour, quand je sors comme ça, même si je fais la monnaie de 100 000 francs, c'est comme je reviens bredouille. C'est-à-dire que l'argent partait comme ça. Quelqu'un même te voit simplement. Il est obligé même de... Presque tout le monde faisait la manche. Oh, le boss, oh, pardon, s'il te plaît, même un billet. Tu regardes des personnes dignes, mais qui ont besoin de quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas tendre la main à tout le monde. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir. J'ai tendu la main à beaucoup de personnes. Et ça m'a permis de penser au social. Ça m'a permis de penser beaucoup au social. Et je me suis assis, je me suis dit, attends, depuis 2010 ou 2000, je ne sais quoi, tu t'es assis sur la toile. Tu as crié pour des problèmes politiques. Tu as défendu un tel sans le connaître. Tu as sali ton nom pour des gens que tu ne connais même pas. Des gens qui ne t'ont jamais apporté un franc. Des gens qui n'ont même pas la pensée d'aider comme toi tu veux. Tu as cru que tu étais dans un combat qui te permettrait de sauver des gens. Tu t'es sali, tu t'es humilié. Tu as utilisé tes dons, tu as utilisé tes connaissances, tu as utilisé ton corps, tu as utilisé ton âme, tu as utilisé tes pensées. Tu as reçu des injures, des calomnies, tout ce qu'il faut, alors que tu n'es pas politicien. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, et partagez ce direct. Je me suis assis et je me suis dit,
Pourquoi n'avoir-tu pas pris ce temps pour prier, intercéder et même demander de l'aide à certaines personnes pour sillonner l'Afrique, et aider des gens qui en ont besoin dans des villages, dans des campagnes, dans des endroits, des gens qui ont besoin simplement qu'on leur fasse soit une plantation, une ferme, un petit vivrier, qu'on aide à avoir simplement une moto pour se déplacer, qu'on aide à avoir un vélo pour des gens qui ont juste besoin qu'on mette une école dans leur village. Pourquoi n'avais-tu pas pris ce temps? Mais je remercie Dieu, je ne regrette pas, parce que si je n'avais pas pris ce temps pour crier, pour salir mon nom, je n'avais pas pris ce temps pour défendre des gens, des personnes, des causes ou des politiques, peut-être que je n'aurais pas compris quelque chose aujourd'hui. Il fallait, puisque je n'avais jamais fait de politique dans ma vie, il fallait que ma bouche sorte de ce côté pour voir des choses. J'étais nul. Mes yeux ont été ouverts sur beaucoup de choses. Et quand j'analyse, je vois que les personnes même que nous avons, que j'ai défendues, pour lesquelles j'ai combattu, c'était des soifs. Et je vois que ces personnes pour lesquelles certaines personnes se sont entretuées, se réconcilient. Ils se disent bonjour. Ils s'embrassent. D'autres même étant en prison, il y a des gens qui sont morts pour eux. D'autres étant en prison, il y a des gens qui ont marché pour eux. Et pour ces mêmes personnes, il y a des gens qui sont en exil. Pour ces mêmes personnes, il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Alors que les personnes même qui sont concernées sont au pays. Ils sont en Côte d'Ivoire. Certains même se sont ralliés à d'autres qu'ils combattaient au début. Ils s'embrassent, ils se saluent, ils vivent. Je pense même à une sœur qui s'appelle Maïleba. Maïleba, qui a combattu, lutté pour des causes, qui était devant la haie, qui luttait dans le froid, dans le soleil, qui a mis sa vie en jeu. Cette femme qui est morte sans avoir vu son pays, après avoir mené tant de combats, elle n'est pas la seule. Beaucoup de personnes ont sali leur réputation. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont certainement envie d'aller dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire, passer des vacances, voir un parent, aller sur le tombeau de leur père, de leur mère, aller régler un problème, s'acheter un petit terrain, construire une petite maison, faire un petit projet. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mettre leurs pieds sur cette terre. Parce qu'ils se sont exposés. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je suis très sérieux. Je suis arrivé hier tout fatigué, mais avec mon cœur, je veux parler. Ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Ils ont envie d'aller dans leur patrie. Même si on n'aime pas Alassane Ouattara, certaines personnes ne l'aiment pas. Il y a des gens qui voient des vidéos et des photos de la Côte d'Ivoire et qui disent « Oh, la Côte d'Ivoire est devenue belle. Oh, j'aurais aimé aller voir telle chose. J'aurais aimé aller vivre telle expérience. J'aurais aimé... » Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont peur. Même si on ne veut, on ne va rien leur faire. Même si on ne les attend même pas pour leur faire quelque chose. Mais la peur et la crainte fait qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le pays. Et ces personnes se sont entretuées pour des gens. J'ai découvert que la politique est un poison terrible, un démon terrible. Il faut aimer son venin. Pour pouvoir y être. Beaucoup de victimes a fait la politique. Aujourd'hui, je peux ne pas regretter parce que la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Et si je n'étais pas passé par là, peut-être qu'il y a des gens qui n'allaient pas me connaître aujourd'hui. Peut-être que je n'allais pas comprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des erreurs que j'aurais fait plus tard.
Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Après ce long voyage de 3 mois, je sais que je suis un ambassadeur de la paix. Je suis un ambassadeur de la paix. Sans vous mentir, il y a certaines personnes du RHDB avec qui je parle, qui m'aiment bien, qui m'apprécient, que j'apprécie. Pourtant, ils savent que je les ai souvent attaqués. Il y a des gens du PDC, il y a des gens de n'importe quel parti. Ça veut dire que j'ai des frères partout. Et un Ivoirien est un Ivoirien. Quand j'ai fait les pays d'où je viens, les voyages que j'ai faits, les gens ne m'ont pas regardé en tant qu'un tel. Ils m'ont regardé en tant qu'un Ivoirien. Tu es un Ivoirien? On m'a honoré en tant qu'Ivoirien. On m'a parlé en tant qu'un Ivoirien. On m'a accepté en tant qu'Ivoirien. Et ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens, peut-être m'ont détesté en tant qu'un Ivoirien. Mettez les cœurs, je suis très sérieux. Aujourd'hui, je voulais lancer un message. Je voulais lancer un message à beaucoup de personnes. Que ce soit des religieux. Que ce soit des politiciens. Que ce soit qui que vous soyez, sachez qu'il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la politique. Il y a des gens qui cherchent simplement à manger, à scolariser leurs enfants, à envoyer leurs enfants à l'école, à l'hôpital, soigner leur famille. Et ces personnes-là, de fois, aveuglément, ont suivi certaines choses, certaines scènes, certains groupes, parce qu'ils ont cru que leur délivrance se trouvait là, en cela. Je vais m'adresser à tous mes frères cyberactivistes de la diaspora. La plupart d'entre vous, il y a longtemps, vous n'êtes pas allés peut-être en Afrique. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. La réalité de l'Afrique n'est pas la réalité de l'Europe. La réalité de l'Afrique n'est pas la réalité de l'Europe. Quand vous vous asseyez, quand nous nous asseyons, et que nous sommes en train de dire aux gens, faites ceci, faites cela, marchez, faites cela, n'acceptez pas ceci, ne faites pas cela. Il y a des gens certainement qui vont vouloir vous suivre. Mais ces personnes-là vont avoir des problèmes. Et il y a des gens qui ne vont pas vous suivre. Pas parce qu'ils ne veulent pas vous suivre, mais parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes. Comprenez vos frères qui sont en Afrique. J'ai compris une chose. Seul Dieu peut faire la justice sur cette terre. Aucun homme n'est juste. Celui-même que tu es en train de défendre a une certaine injustice en lui que s'il ne t'a pas démontré, tu ne sauras jamais qu'il est injuste. Il y a des gens qui suivaient telle personne qui était dans tel parti, mais qui se sont découragés, qui ont vu quelque chose, qui n'ont pas aimé quelque chose, qui sont ailleurs. Il y a des gens qui combattaient telle personne, qui sont retournés vers cette personne. Il y a des gens qui ont fait alliance. Quand vous voyez les gens pour lesquels vous vous battez, qui sont en train de s'embrasser, de marcher ensemble, de manger ensemble, de boire ensemble, pendant que vous, vous continuez à vous diviser, vous continuez à vous battre et à entraîner les enfants des gens dans ce combat, alors que ceux-mêmes qui sont concernés là s'embrassent, mangent ensemble, signent des décrets, des contrats, se réconcilient. Et puis, certaines personnes condamnent leur vie. Qui est né pour être mouton de son ami? Qui est né pour être le mouton de son ami? Mettez le cœur, même si vous n'aimez pas mon direct, partagez-le. Vous êtes dans des buzz inutiles. Vous êtes dans des buzz, des choses qui ne servent à rien.
Aujourd'hui, le buzz a envoûté la mentalité africaine, surtout les Ivoiriens. Le buzz a envoûté la mentalité ivoirienne. Il y a des gens qui ont faim. C'est chaque Ivoirien de la diaspora, au lieu de rester là pour parler du matin au soir, de crier sur les je ne sais quoi, pouvait cotiser simplement 1 euro. Mais 1 euro réellement bien cotisé, même on va plus 5 euros pour un projet par mois. Un projet par mois pour ceux qui souffrent, ceux pour lesquels vous prétendez vous battre. Beaucoup de personnes s'en sortiraient. Au lieu de rester là, de crier du matin au soir, les cris n'ont rien apporté. Les cris n'apporteront rien. Seul Dieu peut défendre. Seul Dieu peut juger. Seul Dieu peut arrêter le souffle de quelqu'un. Seul Dieu. Seul Dieu. Aucun tapage. Aujourd'hui, Dieu lui-même peut te montrer que telle personne va mourir demain. Dieu peut décider de lui redonner encore la vie. Dieu peut dire demain, il y a la guerre. Dieu seul peut dire non, il y a la paix après. Il y a des preuves dans la Bible. Mettez des cœurs partagés, le direct. Il faut que nous commencions à prendre conscience en 2023. 2024 va arriver rapidement. 2025 arrive. Je parle précisément aux Ivoiriens. En priant, ce que j'ai vu pour 2025, seules nos prières apaiseront certains cœurs. Parce que vous ne savez pas, mais il y a des feux cachés dans l'ombre. Et nous ne voulons plus de troubles dans ce pays. C'est pourquoi nous devons prier. Et c'est à nous maintenant de savoir. Parce que regarde, si quelqu'un refuse de te donner à manger, trouve la solution de comment toi-même tu vas manger puis donner à manger à ton frère. Quelqu'un a à manger, il ne veut pas te donner, il ne veut pas mettre dans ta bouche, il ne veut pas mettre dans ta main. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Trouve la solution. La plupart d'entre nous avons des villages. La plupart d'entre nous venons de certaines régions. Tous les enfants, par exemple, d'Odiené, qui sont à la diaspora, qu'attendez-vous pour trouver une solution, faire genre une ONG de cotisation pour les enfants déscolarisés, par exemple, d'Odiené? Tous les enfants de Toumoudi qui sont dans la diaspora, qu'est-ce que vous attendez pour créer quelque chose pour les défavorisés de Toumoudi? Tous ceux qui sont de telle ou telle région, je pense que nous devons commencer à réfléchir de la sorte. Parce qu'il y a des choses que nous attendons de la politique que la politique ne nous donnera jamais. Et que la politique ne nous donnera jamais. C'est nous qui pouvons changer notre histoire et l'histoire de nos enfants, de nos petits frères. Aujourd'hui, moi je vois encore certains frères qui sont dans certains débats encore. Deux fois, je regarde des directs et puis je suis là à dire, mais vraiment, les frères, vous n'êtes pas fatigués. À un certain moment, il y a des choses qu'il faut arrêter dans la vie. Vous n'êtes pas fatigués. La même chanson qu'on a chantée depuis je ne sais pas tant. Il y avait des gens qui étaient en prison. On chantait cette chanson. Ils sont sortis. On a chanté cette chanson. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Cette chanson est encore chantée. Maintenant, eux-mêmes sont là-bas en train de chanter une autre chanson. Pourquoi vous continuez à chanter la même chanson? Passez à autre chose. Pensez à vos vies maintenant. Pensez à vos enfants. Pensez à vos petits-enfants. Parce que à force de crier, parler. C'est bien beau. Mais franchement, ça a changé peut-être quelque chose, mais ça n'a pas changé grand-chose. La justice doit être faite, la vérité doit être dite, tout doit être fait. Mais moi, je pense que on peut lutter pour des bonnes causes en sortant de la poubelle. En sortant des injures, en sortant de certaines choses qui ont été faites depuis longtemps et en pensant à tout. Aujourd'hui, ce que je souhaite le plus fort, le plus profond de mon cœur, c'est la paix en Côte d'Ivoire, la paix en Afrique, la paix pour tous les Africains, la paix en Côte d'Ivoire, pour que chacun puisse prendre conscience et que unis, nous puissions développer
nos beaux pays et notre Afrique, parce que nous le méritons. Nous le méritons. Moi qui suis assis ici, j'ai la nationalité française, ça fait des années. Mais l'Europe ne me dit plus rien. Je me sens vivant quand je suis en Afrique. La nourriture africaine, la nature, même la poussière en Afrique me donne, ça veut dire que je suis à l'aise. Je sais pas comment on va dire, c'est-à-dire que je préfère vivre en Afrique, développer ce que j'ai en Afrique, faire valoir ce que j'ai en Afrique, et puis faire travailler certains frères, certaines soeurs, entreprendre, et puis venir de temps en temps en Europe pour des vacances, pour voir peut-être des gens que je connais, ma famille, me reposer, changer un peu d'air, que d'être ici et puis aller là-bas. C'est pourquoi nous devons commencer à réfléchir. Et puis, nous allons continuer de nous diviser jusqu'à quand? Franchement, je pose la question. Si tu marches comme ça dans la rue, que tu vois un de tes frères parce qu'il appartient à telle partie, ou telle région, ou tel pays qui est en danger, la peau noire comme toi, tu ne vas pas venir à son secours? Tu viendras à son secours. À un certain moment, ne laissez pas le démon qui s'appelle politique vous déchirer, nous dévorer. Il a déjà fait assez de victimes. Nous sommes simplement exploités. Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Mettez les cœurs. Nous sommes exploités. Nous sommes des pions dans un jeu d'échecs, dans un jeu de dames. Nous sommes que des pions dans un jeu d'échecs. Réveillez-vous. On a beaucoup de frères qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail, qui ont besoin d'un soutien pour entreprendre quelque chose. On a des sœurs qui sont en train de se prostituer parce qu'elles ne savent plus où trouver la solution. On a des enfants qui ne seront pas scolarisés parce qu'ils n'ont pas cette valeur. Il n'y a pas que Abidjan, il n'y a pas que les villes, les capitales. Il y a des villages dans lesquels des enfants ne peuvent même pas aller à l'école pour savoir lire et écrire. Il y a des endroits où il n'y a pas de l'eau potable à boire. Il y a des endroits où ils n'ont même pas droit encore à l'électricité en 2023. Moi, je vois les gens souvent faire les publicités des villes, des capitales. Voilà Abidjan, voilà tel pays, voilà Bamako, voilà telle ville, voilà telle capitale. C'est bien beau. Mais quand tu rentres dans la profondeur, tu vois la souffrance. Et quand tu vois que ceux qui sont en train de souffrir là, on prend leur terre, leur bien, leur richesse, et on envoie ça en Occident. Et eux, ils sont là-bas, ils souffrent. C'est nous qui sommes ici. Ce n'est pas en criant sur la toile. Si Facebook n'existe plus, vous faites quoi? Si Facebook n'existe plus pour faire des directs, comment allez-vous aider vos frères? Si les réseaux sociaux ont un problème demain, qu'allons-nous faire, frères? Il est temps de prendre conscience. Nul n'est éternel. Tu peux ne pas aimer Gbagbo, c'est un homme. Tu peux ne pas aimer Bédié, c'est un homme. Tu peux ne pas aimer Alassane Ouattara, c'est un homme. Nul n'est éternel. Quand Dieu décide, la personne quitte la terre. Quand Dieu dit, ton temps est fini, la personne s'en va. Ce n'est pas parce que vous suivez des hommes que vous allez mettre d'autres humains en danger. Il faut que ça s'arrête. Je vous parle avec mon cœur. Je vous dis que je viens de 3 mois de voyage. 3 mois de voyage sur ma terre africaine. 3 mois de voyage où j'ai vu des réalités. 3 mois de voyage où j'ai vu des souffrances, des épreuves. 3 mois de voyage où j'ai vu des choses. Et c'est avec mon cœur que je parle. Je n'aime pas un tel.
Je ne veux pas entendre parler de ceci. Et puis ça va changer quoi dans notre histoire? Rien. Tu peux rester là, crier jusqu'à... Tu vas mourir la bouche ouverte en train de crier. Ça peut ne rien changer. C'est Dieu seul qui change les choses. C'est pourquoi j'invite tous les croyants à prier. J'invite tous les croyants à prier. Quand tu te lèves chaque matin, s'il te plaît, quelle que soit ta religion, si tu aimes l'Afrique, prie pour ta terre africaine. Si tu aimes ton pays, prie pour ton pays. Et prions même pour les politiciens. Parce qu'ils sont animés de certains esprits que seulement nos prières peuvent maîtriser. Nos prières seules peuvent maîtriser certains esprits. Nos prières peuvent changer des cœurs. Il y a encore des personnes qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Combien de fois avons-nous crié? Combien de fois des gens ont crié pour dire libérer les prisonniers, ils sont encore là-bas. D'ailleurs, je loue Dieu, je le remercie de ce que Pichéline Gbale est sortie de prison. Gloire à Dieu qu'elle soit vivante. Il y a certaines personnes. Je vais dire à Pichéline Gbale, j'ai un message aussi pour toi. Tu es vraiment responsable de la désobéissance civile. Mais ça fait plusieurs fois que tu vas en prison. Tu es une femme. Quand tu allais en prison, c'est vrai que certaines personnes ont écrit un peu des textes, ont crié un peu. Des gens ont fait, il y a eu des marches. Il y a des cyberactivistes qui n'ont pas arrêté de parler de toi. C'est bien beau. Mais ces personnes qui t'aiment, qui te supportent, qui te défendent, n'ont pas de pouvoir. Je parle à Pichéline Gbale. Ils n'ont pas de pouvoir. Ceux qui ont les pouvoirs, même s'ils t'apprécient, même si ce que tu faisais pour eux, ce que tu faisais était valable pour eux, pour protéger leur vie, ferme leur bouche, eux ont fermé leur bouche. Seul Dieu t'a protégé. Que Dieu continue de te protéger. Mais maintenant, il faut mettre dans ta tête, Pichéline Gbale, que tu ne peux compter sur personne. Ceux qui parlent haut et fort, qui crient haut et fort, et si tu croyais qu'il y avait des gens avec toi, des gens pour toi, sache que tu as Dieu seul. Fais attention. Prends soin de ta vie. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ta famille. Tu n'es pas le Jésus-Christ de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, Dieu t'a protégé. Mais tu n'es pas le Jésus-Christ de la Côte d'Ivoire. Tu fais ta part. Mais les personnes dont, pour eux, dont tu fais, ils font quoi? Regarde, la vie est chère. Ils disent, il n'y a pas ça, est cher, ça est cher, ça est cher. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les maquis. On dit, on a l'habitude de dire, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens ont faim. Oh, d'accord, c'est faux. Les Ivoiriens sont les plus heureux de l'Afrique aujourd'hui. Allez-y dans d'autres pays africains, vous allez voir. Les Ivoiriens ont ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ces mêmes Ivoiriens, ils vont dire, oui, on souffre, en Côte d'Ivoire, c'est rentré ici, il n'y a pas ceci. C'est des mensonges. Ils sont dans les maquis. Ils gaspillent de l'argent dans les maquis pour des bières, pour de l'alcool, pour les femmes, pour des bêtises. Ils sont dans des buzz inutiles. Ils gaspillent de l'argent. Ils gaspillent de l'argent. L'Ivoirien est devenu paresseux, fanfaron, gaspilleur. Il y a certains pays, si vous voyagez aujourd'hui, allez-y simplement au Burkina, allez-y au Togo, allez-y au Bénin, allez-y même dans certains pays autour de vous. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire est au-dessus, au-delà de beaucoup de pays. Même le Ghana est dans la galère en ce moment. Il y a des gens qui se cherchent. Mais l'Ivoirien fait quoi? L'Ivoirien, il aime qu'on dise qu'il est fier, il est arrogant. Ce qui se passe en Europe, c'est ce qu'il veut faire chez lui. Il n'a rien à manger. Il veut porter un vêtement qui coûte 100 000, 200 000. Alors qu'il pouvait s'acheter un tissu pour se coûter quelque chose de très simple. Il veut qu'on dise qu'il a de la valeur. Il va s'acheter des chaussures de, je ne sais pas, de 200 000. L'Ivoirien,
Il va s'acheter un téléphone de 400 000, de 500 000, et c'est lui qui vient crier que et là, il n'y a pas l'argent dans le pays. On est ceci, on est cela. Il faut savoir mettre ta main là où tu peux la mettre et ton pied là où tu peux. Ils sont fiers, arrogants. Puis, chérie, fais très attention. Tu vas, faut pas mettre ta vie en jeu pour des gens qui ne le méritent pas et pour des gens qui ne sont pas reconnaissants. Et ces personnes-là, tu vas crier haut et fort, parler haut fort, faire quoi que ce soit. Lorsque tu entends de mourir, c'est les mêmes qui vont venir dire, oh, c'est bien fait pour elle. Il fallait qu'elle ferme sa bouche. Il fallait qu'elle ferme ceci. Il fallait pas qu'elle parle. Prends soin de tes enfants. Dieu a fait tes dehors aujourd'hui. Ceux même pour lesquels certaines personnes ont crié jusqu'à, sont en train de s'embrasser aujourd'hui. Ceux même pour lesquels certaines personnes sont allées en prison, sont en train de manger sur la même table aujourd'hui. Ceux même pour lesquels certaines personnes sont en exil, sont aujourd'hui dans ce pays, en train de manger, de s'embrasser, de boire, alors qu'il y a des gens qui sont en exil à cause d'eux. Il y a des gens qui sont en prison à cause d'eux. Ils ont oublié ceux qui sont morts pour eux. Ils ont oublié ceux qui sont en prison pour eux. Ils ont oublié ceux qui sont en exil pour eux. C'est leur vie qui leur intéresse. La vie de leurs enfants et de leur famille. Prenez soin de vos familles. Je vous lance des messages. Mes frères cyberactivistes, mes frères de la diaspora, si tu appartiens à un parti politique, défends ton parti politique. Ce n'est pas un problème. Mais ceux qui ne font pas de politique, s'il vous plaît, pensez à vous, pensez à vos enfants. Vous n'avez aucune carte d'un parti politique. Vous n'appartenez pas à un parti politique. Ne salissez plus votre vie. Ne salissez pas votre nom. Ne détruisez plus votre réputation. Et puis, ne mettez plus votre vie en danger pour des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous donneront jamais rien. Vous croyez que l'autre est meilleur que l'autre, mais ils sont presque tous pareils. Aujourd'hui, nous devons prier pour la paix. Nous devons prier pour la vraie paix. Parce que ce que vous ne savez pas, chers Ivoiriens, c'est que Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Blé Goudé est en Côte d'Ivoire. Hassan Ouattara est encore là. Bédié aussi est là. Simone Gbagbo est là. Il y a d'autres partis politiques. Et puis il y a Soro Diom qui est encore en exil. Mais qui veut rentrer en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça s'appelle des petits feux. Tout ça, ça s'appelle des petits feux. Parce qu'en 2025, chacun voudra être au pouvoir. Ceux qui soutiennent Gbagbo disent, Gbagbo va revenir au pouvoir. Ceux qui soutiennent Alassane disent, Alassane va rester au pouvoir. Ceux qui soutiennent Soro disent, Soro va rentrer pour être au pouvoir. Ceux qui soutiennent Blé Goudé disent, Blé Goudé va être au pouvoir. Chacun. Alors, c'est des petits feux. On n'avait jamais pensé qu'il allait avoir une guerre dans notre pays, ni un coup d'État. Mais nous avons été surpris. La Côte d'Ivoire est devenue belle. La Côte d'Ivoire, tout le monde en parle. La Côte d'Ivoire est devenue merveilleuse. Quand tu voyages dans d'autres pays, tu vois la valeur de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait jamais que le feu d'une guerre, de quoi que ce soit, descendre encore dans cette Côte d'Ivoire. Les politiciens doivent régler leurs problèmes entre eux. Moi, je suis arrivé au point où je dis, si c'est un Magouya qui doit être président, il n'a qu'un président, mais il faut que les Ivoiriens mangent, qu'ils soient en paix. Si c'est un Kabri, il n'a qu'un président, mais il faut que les Ivoiriens mangent, qu'ils soient en paix, mais vraiment la paix. Si c'est un Mouton, qu'il soit président. C'est-à-dire qu'à un certain moment, même si c'est un facochère, il n'a qu'un président. Mais les Ivoiriens doivent être dans la paix, manger. C'est pourquoi on demande encore pardon de libérer nos frères qui sont en prison. Pour que les gens arrêtent de parler. Qu'on laisse rentrer nos frères qui sont en exil. Pour que les gens arrêtent de parler. Qu'on oublie ça et qu'on avance à autre chose. C'est ça ma prière. Mais si c'est pour défendre des gens, je préfère même avoir les moyens. C'est-à-dire aujourd'hui, là, je préfère même qu'on me donne les moyens. En tant qu'ambassadeur de la paix ou de je ne sais pas quoi, je vais rentrer dans certains endroits, aider les gens qui ont faim, aider les gens qui souffrent.
C'est plus important que de rester là. Parler d'un tel. Lui là fait ceci. Lui là n'est pas bon. Lui là est comme ça. Pendant qu'on est en train de raconter tout ça là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui cherchent juste à mettre leur enfant à l'école. Il y a des gens qui ont besoin juste qu'on creuse un puits dans leur village. Il y a des gens qui ont besoin d'électricité. Donc, moi aujourd'hui, je prie Dieu de me donner ce chemin pour que le temps que j'ai perdu pour crier pour des choses qui ne m'ont servi à rien, je prenne ce temps plutôt pour aider des personnes afin que ça augmente ma bénédiction dans le ciel. Je n'irai pas au paradis parce que j'ai défendu un tel ou un tel. J'irai au paradis. Je serai récompensé par Dieu parce que j'ai aidé un pauvre, parce que j'ai aidé un orphelin, parce que j'ai aidé telle personne, parce que grâce à moi, une veuve a mangé. Grâce à moi, une famille qui n'avait pas les moyens, qui ne savait pas où dormir, a dormi. Dieu me dira, c'est bien ce que tu as fait. Mais Dieu ne va pas me dire, oui, mais sois le bienvenu parce que tu as défendu Gbagbo, parce que tu as défendu Bédié, parce que tu as défendu Ouattara, parce que Dieu ne me donnera aucune récompense pour ça. Même les êtres humains ne récompensent pas pour ça. Les êtres humains vont venir te pousser à bout. Oui, je n'aime pas lui là. C'est vrai, continue de l'attaquer. Oui, mais quand tu seras dans les difficultés, ils ne seront pas là. Les êtres humains viendront te pousser, t'encourager. Parce que ce que tu dis leur fait plaisir. Mais ces personnes demain ne se demandent même pas qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tes enfants mangent, est-ce qu'il y a des pauvres, est-ce que ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, j'interpelle tous ceux qui ont un cœur. Bientôt, je vais lancer un mouvement de soutien. Je ne donne pas le nom parce que quand tu donnes un nom comme ça sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui piquent. J'avais lancé la voix des 100 voix. Tout le monde est devenu voix des 100 voix. Donc, je ne lance pas le nom. Je vais mettre bien les choses en place. Je vais mettre une structure. De sorte que peut-être même que je ne vais même pas toucher l'argent, mais que des gens de bonne volonté puissent aider. Pour qu'au moins dans l'année, on puisse aider quelques personnes. Ou même, par mois, on puisse aider une personne, ensemble, vous et moi. Je pense que ça, c'est la meilleure chose que Dieu nous donne sur cette terre. Aider une veuve, aider un orphelin. Aider quelqu'un qui souffre. C'est la meilleure chose qu'on peut faire sur cette terre. Sinon, restez là, crier. Tu es en train de défendre un tel. Il se lève le matin, il va manger avec l'autre. Tu es en train d'attaquer l'autre. Il se lève le matin, il va boire avec l'autre. Mais tu ne parais pas pour un bête quand même. Tu es bête. On a été bête, j'ai été bête. Mais Dieu a voulu que je sois bête. Dieu a voulu que je le sois pour un temps, pour comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Celui qui croit que c'est sur l'homme, il va s'appuyer là. Malheur pour lui. Beaucoup ont été déçus. Il y a des gens qui ont défendu un tel. Aujourd'hui, ils sont en train de l'insulter. Il y a des gens qui étaient avec un tel aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient dans tel camp. Ils ont quitté, ils sont à l'autre côté. Il y a des gens qui étaient dans un tel. J'ai besoin de tout le monde. Que tu sois juriste, que tu sois avocat, que tu aies des idées. Il y a une femme qui est décédée en Côte d'Ivoire. Je l'avais soutenue pour une ONG. Elle s'occupait des enfants, des orphelins. Elle s'occupait des orphelins. Cette femme est décédée. Elle est décédée. On m'a envoyé la nouvelle quand j'étais en mission. Cette femme est décédée. Et j'ai vraiment eu mal au cœur. J'ai vraiment eu mal au cœur parce que elle faisait un grand travail. Elle est décédée suite à une opération.
j'ai même pas pu envoyer un centime pour ses funérailles parce que je n'étais pas à me jeter dans des conditions où je ne pouvais pas agir. J'ai juste compati. Je ne sais pas si je vais avoir ici, si le réseau va me permettre. Comme j'ai plusieurs comptes, je ne sais pas. Je ne sais pas sur lequel on m'a envoyé le message. J'allais vous montrer. Mais je pense à ces orphelins qu'elle a laissés. Je dis, mais ils sont devenus quoi? Si vous vous rappelez, sur les réseaux sociaux, il y avait un orphelinat où on avait volé la télé des enfants. Ceux qui me suivent depuis longtemps, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous pouvez vous rappeler de ça. Il y avait un orphelinat, ils ont volé la télé des enfants. Les gens sont allés cabrioler et ils avaient volé la télé. Et j'ai fait un appel de soutien, de fonds pour aider. Pour aider cet orphelinat. Alors, tout dernièrement, j'ai appris que la dame qui gérait cet orphelinat est décédée. Voilà, elle est décédée. Elle a laissé les enfants là. Bon, je ne sais pas, je ne retrouve pas le... Je ne retrouve pas... voilà, elle est décédée. Et quand je pense à cet orphelinat, cette ONG, je me dis, mais la dame s'est battue pour eux. Elle s'est battue pour ses enfants. Et aujourd'hui, elle est partie. Ses enfants vont devenir quoi? Vous voyez, c'est des choses qui me font réfléchir. Ses enfants vont devenir quoi? Qui va avoir le cœur, le courage et la force pour faire ce que cette femme faisait? Hein? Pour faire ce que cette femme faisait. Qui? Qui va aller aider encore ses enfants? Peut-être qu'il y a une bonne structure qui est faite, mais vous savez, pour aider des gens, il faut avoir le cœur, il faut avoir la volonté. C'est à peu près, on va dire, c'est un don de pouvoir aider les gens. N'importe qui ne se lève pas comme ça pour dire, je vais aider les gens. Est-ce que je n'ai pas sa photo ici? Hein? N'importe qui ne se lève pas pour dire, je vais aider les gens. Vous voyez? Voilà, c'est cette femme-là. La voilà ici. Vous vous rappelez de l'orphelinat? Orphelinat ONG Centre Omega International. Vous voyez? Vous vous rappelez? C'est elle qui est au milieu des enfants là. Une très belle dame. Voilà. Elle est décédée suite à une opération qui s'est mal passée à Abidjan. La voilà. Elle passait son temps à aider les enfants. Elle avait une ONG, un orphelinat. Elle recueillait des enfants qui n'avaient pas de famille pour les aider. Elle est décédée, la voilà. Bon. Ce sont des sujets, je crois, plus importants que trop de blablabla pour rien. Trop de blablabla pour rien. D'accord? La voilà. Bon. J'interpelle vraiment tous ceux qui sont de bonne volonté. Hein, de très bonne, tous ceux qui sont de bonne volonté, qui ont à cœur d'aider. Ne me voyez pas. Bien sûr, je m'appelle Atia Normal. Bien sûr, je suis la bouche autorisée. Bien sûr, j'ai parlé dans beaucoup de choses. Mais dans la vie, il faut savoir prendre des directions. Aujourd'hui, je suis dans la cinquantaine. Je ne sais pas quand Dieu va m'appeler. J'ai des enfants. Dieu merci. Mon nom ne disparaîtra pas sur la terre. Mais est-ce que je dois perdre le temps pour des choses qui n'apportent rien et qui n'apporteront rien? Non. 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 Je vous laisse mon WhatsApp. Tous ceux qui sont de bonne volonté, on va créer un groupe WhatsApp. On va créer une team. On va créer quelque chose pour commencer. On va se parler.
On va prier. Si vous avez, vous voyez qu'il y a des, il y a des, il y a des, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Burkina, ça peut être au Mali, ça peut être au Togo, ça peut être au Bénin, ça peut être au Sénégal, ça peut être dans n'importe quel pays africain. Et que nous savons que nous pouvons aider quelqu'un. Quelqu'un, même quelqu'un qui a fait des études, mais qui a un projet qui n'arrive pas à le réaliser, que nous pouvons aider. Pour que lui aussi puisse aider d'autres personnes. Même créer quelque chose dans un village, une coopérative, pour que des gens puissent travailler pour manger. C'est-à-dire, nous allons penser à ça et le faire. Moi, après mon voyage de 3 mois, avec toutes les souffrances que j'ai vues, toutes les peines que j'ai vues, et tous ces politiciens que je vois heureux, à l'aise, je me dis, il y a des gens qui ont besoin d'aide. C'est à eux qu'on doit penser. C'est sur eux qu'on doit, comment dirais-je, c'est sur eux qu'on doit se concentrer. Notre énergie doit être pour ces personnes. Tu ne vas pas passer toute ta vie à insulter Gbagbo. Tu ne vas pas passer toute ta vie à insulter Alassane, à insulter Soro, à insulter Bédier, à insulter parce que tu es dans tel partout. Tel... Yo, tu perds trop d'énergie, trop de temps. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur sur le direct, valorisez le direct, partagez le direct. Parce que c'est l'amour qui règle des choses. Ce n'est pas la haine. La plus grande force sur cette terre, la plus grande force que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. La plus grande force que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. L'amour est au-dessus de toute chose. Concernant même les religions, on parle de religion, je suis chrétien, je suis pentecôtiste, je suis musulman, je suis ceci. Tout ça, c'est rien. Ça ne dépasse pas l'amour. Quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la foi que tu prétends avoir, quelles que soient les pratiques que tu fais, si tu n'as pas l'amour, même si tu es féticheur, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. J'ai dit, tu n'es rien sur cette terre. Tu es politicien, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es musulman, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es chrétien, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. L'amour est au-dessus de toute chose. Ce qui te donne de la valeur devant Dieu, c'est l'amour. Ce qui fait que Dieu te connaît, c'est l'amour. C'est tout. Sinon, tout le reste là, c'est du blablabla. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment le buzz. Allez-y sur les directs de buzz. Oui, il y a quelqu'un même qui a laissé un commentaire tout à l'heure. Bon, l'histoire de DJ Congélateur, pourquoi tu n'as pas... Mais DJ Congélateur, votre histoire de DJ Congélateur, c'est ça qui va apporter à manger à des gens qui souffrent. Dieu merci, c'était quelqu'un qui était malheureux. Quelqu'un dit qu'il a rendu heureux. Aujourd'hui, il dit que la personne ne l'a pas rendu heureux. Mais est-ce que je suis témoin de leur vie, de leur histoire? Heureusement, eux, ils mangent, ils sont célèbres, on parle d'eux. Mais il y a d'autres qui ont faim. Qu'est-ce que je vais m'asseoir à perdre mon temps, mon énergie sur une histoire de DJ Congélateur, un autre qui est maladie confirmée, l'autre a fait ceci. Vous ne trouvez pas que le buzz est devenu un envoûtement dans vos vies en ce moment? Mettez le cœur et puis partagez le direct. Vous vous intéressez même plus à ce qui a de la valeur. Ce sont sur des bêtises que vous asseyez pendant des mois, vous parlez. Vous êtes là, vous recherchez que des bêtises. Quand c'est fini, on attend une autre histoire. Et il y a des gens qui font exprès pour faire des buzz, pour avoir de l'argent. Et puis vous êtes assis, vous rentrez dans leurs bêtises. Et eux, ils s'enrichissent sur votre dos. Vous êtes dans leurs bêtises avec vos téléphones, vos connexions. D'autres même sont en Afrique. Ils ont des problèmes financiers. Ils vont payer des passes internet simplement pour pouvoir écouter des buzz inutiles, pour liker des buzz inutiles, pour commenter des buzz inutiles. On dirait que ça leur donne de la valeur. Mais les choses qui sont importantes, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Si tu fais, tu dis, je crée un groupe aujourd'hui, qu'on trouve un moyen pour créer, comment on appelle ça,
l'électricité gratuite pour certains villages en Afrique, oh, tu verras personne qui va venir se mettre là. Si tu veux créer telle chose, tu veux parler de telle chose, non. Mais il faut dire qu'il y a telle personne qui a eu son caleçon déchiré hier, telle personne qui a eu sa poche percée hier, telle personne a giflé telle personne. Des buzz inutiles, on dirait que nous ennuyons tellement que ce sont les problèmes qui nous intéressent. Si c'était un direct de buzz, de Genzeni, si je m'étais mis là tout de suite, j'avais mis même un faux titre, pour dire, aujourd'hui, je vais insulter telle personne. Vous allez voir qu'il serait des milliers à venir regarder le direct parce qu'ils attendent qu'on insulte. Ils attendent qu'on... Ça veut dire qu'ils attendent. C'est ça qui les intéresse. Oh, il a insulté un tel. Oh, il faut bien insulter. Oh, c'est ceci, cela. C'est ce qui les intéresse. Il faut que vous changez. Il faut que vous changez. Ils vont sur des directs de buzz, soi-disant buzz. Lui, il a fait ça. Buzz entre Camerounais et Ivoiriens, entre Ivoiriens et Camerounais, en ceci, cela. Ils oublient qu'à côté d'eux, il y a des gens qui ont faim. À côté d'eux, il y a des gens qui ont besoin d'une idée, qui ont besoin de que eux-mêmes, là, quand ils vont finir, ils vont dire qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Mais les passes que tu achètes pour acheter, pour regarder les buzz, là, ce n'est pas l'argent que tu utilises. Vraiment que Dieu nous soutienne. Je prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Je prie vraiment pour la paix, la vraie paix. Pas le soi-disant paix, la vraie paix. Je prie pour que l'avant 2025 soit soutenu par Dieu et que 2025 soit protégé par Dieu. Je prie pour que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent sur les bonnes choses. Et je prie pour nos frères qui sont en prison, que Dieu donne la compassion à ceux qui ont le pouvoir de les faire sortir, de les faire sortir. Je prie pour nos frères qui sont en exil, que Dieu leur ouvre le chemin. Je prie pour que la compassion vienne dans le cœur d'Alassane Ouattara, qu'il permette à Soro Diome de rentrer pour que les cœurs soient apaisés. Je prie que la compassion soit dans son cœur pour libérer les prisonniers politiques. Je prie que toutes les douleurs, les blessures qui sont dans les cœurs des gens guérissent et que nous puissions maintenant penser à l'évolution de nos vies. Nous avons des terrains en Côte d'Ivoire qui nous attendent. Nous avons des plantations qui nous attendent. Nous avons des constructions, des idées. Nous avons des projets dans nos pays. Je prie aussi pour nos frères burkinabés, que Dieu restaure le Burkina Faso. Pendant mon voyage, je suis passé au Burkina. C'est un pays qui me reçoit très bien chaque fois que je viens. Je prie pour que Dieu restaure le Burkina. Que Dieu vraiment, les Ivoiriens qui se plaignent, qui se battent, qui crient, qui pensent que tout, allez-y un peu dans certains pays, vous allez comprendre que Dieu vous a béni. Dieu vous a béni sur tous les plans. Sur tous les plans. Tous les pays autour de vous envient la Côte d'Ivoire. Je prie pour mes frères burkinabés. Je prie que Dieu soutienne ce pays. Que le Seigneur fasse qu'il n'y ait plus de coup d'État dans ce pays, qu'il y ait la paix. Et que vraiment ce pays soit restauré. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Que ce pays soit restauré. Je prie pour le Mali aussi, que la main de Dieu soit sur le Mali et que ce pays soit stabilisé et restauré. Je prie pour le Togo. Les Togolais sont des personnes très courageuses, sont des personnes vraiment, je vais même dire les personnes intelligentes. Quand tu connais un Togolais, tu apprends la leçon de la vie, sur le bon comme le mauvais. Oui, les Togolais sont des personnes, tous les Togolais que j'ai connus m'ont permis d'avoir les yeux ouverts sur beaucoup de choses. Si tu ne sais pas faire le commerce, que tu t'approches d'un Togolais, tu vas penser à faire du commerce. Si tu ne sais pas, tu ne savais pas, tu gaspillais de l'argent pour des choses inutiles et que tu t'approches vraiment d'un Togolais,
des bons Togolais, je ne dis pas parce qu'il y a des bons et des mauvais partout. Tu vas commencer à réfléchir comment je vais construire, comment je vais faire. Parce que ce sont des gens qui se lèvent très tôt. Ils se lèvent très tôt, comme ça. Et ils sont très courageux. Je prie que Dieu soutienne le Togo, que Dieu soutienne chaque Togolais et que ce pays soit béni et prospère. Je prie aussi pour nos frères béninois qui sont à côté du Togo, parce que je ne peux pas prier pour le Togo et puis laisser le Bénin. Ce sont deux pays sœurs. Je prie que la main de Dieu soit sur eux. Je prie pour le Ghana. Je prie pour le Congo. Je prie pour le Gabon, pour tous mes enfants qui sont au Gabon. Je prie pour le Cameroun. Je prie pour tous les pays africains. Je suis allé au Maroc. J'ai vu la souffrance de nos frères au Maroc. On a des frères africains, maliens, comment on appelle, ivoiriens. Mais il y a d'autres qui sont obligés de se prostituer. Il y a d'autres qui font des boulots qu'ils ne feront jamais dans leur pays. Mais ils ont préféré aller se chercher ailleurs. Que Dieu soutienne vraiment nos frères à l'étranger. J'ai fait ce direct pour vous dire que je suis de retour. Pas pour des guinzenis, pas pour des injures, pas pour crier bêtement, pas pour des choses. Il y a un temps pour tout sur la terre. Je prendrai plus de temps pour la prière. D'ailleurs, demain, nous avons un direct de proclamation de feu. Un direct où ce que je vais déclarer sur ta vie va arriver. Demain, je suis prêt. Je suis prêt pour demain. Et nous allons avoir des directs de foi, de coaching pour discuter. Et nous aurons ce côté social que je veux créer pour aider les gens. Je me vois en tant qu'ambassadeur de la paix. Je me vois en tant qu'ambassadeur de la paix. Que les gens aient la paix dans le cœur, quel que soit là où ils sont. Je ne suis pas un diviseur. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un haineux, quelqu'un qui est rempli de haine. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir pardonner. Il faut savoir se reprendre. Il faut savoir changer de direction. Parce que même quand tu tombes dans un trou que tu sors, ça t'a servi de leçon. Si tu n'étais pas rentré dans le trou, tu n'allais pas savoir ce qui se passe dans un trou. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que je n'ai choqué personne ce soir, parce que ce n'est pas mon but. Rendez-vous demain à 21h, heure de Paris. Nous allons avoir notre direct de proclamation. Notre direct de feu. La bouche autorisée va proclamer demain. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu le temps de préparer du savon, c'est le savon avec des éléments de la nature. Ceux qui sont africains connaissent le savon noir avec des éléments de la nature. C'est le savon que moi je vais appeler savon, le saint savon de chance. J'ai de l'huile aussi qui a été consacrée avec des éléments. L'huile de mystère spécialement pour des cas de maladie et de guérison. Il y a déjà des gens qui ont eu des preuves de cette huile. Je l'ai encore. Et il y a aussi le parfum qui avec des odeurs pour l'ouverture, des percées. Donc, si vous voulez, vous contactez la secrétaire et puis on vous expliquera comment vous pouvez avoir cela. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix soit dans nos cœurs, à nous tous, que la réconciliation vienne dans nos vies. Beaucoup de personnes souffrent. Je sais que beaucoup de cyberactivistes qui continuent de crier, de parler, n'ont pas le choix parce que ils ont mal. Ils ont envie que ça cesse. Ils ont envie de rentrer chez eux. Ils ont envie de voir leurs frères et sœurs. Ils ont envie qu'on les comprenne. Et ils continuent de crier, pas parce que c'est un plaisir pour eux de crier, mais ils n'ont pas le choix. Que Dieu soutienne chacun. Que ceux qui sont au pouvoir sachent qu'ils sont des humains. Et qu'ils ont des frères qui ne sont pas avec eux au pouvoir, qui ont aussi un cœur, une âme et une vie. Et que ceux qui ne sont pas au pouvoir
sois aussi consolé et sache que ceux qui sont au pouvoir sont aussi des humains. Que la paix soit dans le cœur de chacun de nous. Je vais prier aussi pour une personne que j'apprécie beaucoup en Côte d'Ivoire. Je tombe souvent sur ses vidéos. Je tombe souvent sur ses activités et j'apprécie beaucoup ce monsieur, monsieur Souleymane Touré. Je prie Dieu pour sa vie. Je prie Dieu de continuer à bénir cette personne parce que ce qu'il fait, c'est du bien qu'il fait aux gens. Je l'ai connu après l'avoir attaqué, au moment où j'étais vraiment chaud, que je parlais, je ne sais pas. Et cet homme m'a montré qu'il a un cœur. Et il est venu vers moi avec la paix. Il est venu vers moi, il pouvait me répondre par des injures, tout ça. Mais il est venu avec la paix, avec la tranquillité. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait pour la jeunesse, pour des enfants, pour des jeunes, pour des personnes. Que Dieu permette qu'il y ait beaucoup de personnes ainsi dans ce pays. C'est ce qui consolera beaucoup de cœurs. Que la paix soit avec vous. Permettez-moi de prier. Seigneur, merci. Je profite de ce direct pour prier pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour mon retour. Merci de m'avoir donné la santé, la force. Je prie pour toutes ces personnes que j'ai vues, tous ces pays qui m'ont reçu, qui m'ont accueilli comme un frère. Je prie pour tous ceux qui m'ont fait du bien, que tu sois avec eux, tous ceux que je manque en ce moment, que tu les consoles. Et je prie pour mon cher pays, la Côte d'Ivoire. J'ai entendu beaucoup de bons témoignages et j'ai vu comment des gens aiment ce pays, mais j'ai vu beaucoup de personnes aussi qui souffrent parce qu'ils sont de ce pays, mais ils ne peuvent pas y aller. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse chaque Africain et que l'Afrique se relève. Donne-nous des cœurs de bâtisseurs dans l'union et dans la paix. Au nom de Jésus, amen. Alors, ceux qui veulent avec moi participer, aider vraiment les personnes dans le soutien, je sais que vous avez beaucoup d'idées. Certaines personnes ne pourront pas se déplacer ou quoi que ce soit, mais ils pourront quand même participer. Ce n'est-ce que même avec 1 euro, 2 euros, nous pouvons faire beaucoup de bonheur pour des gens. Donc, je vous demande simplement, j'écris, mon numéro WhatsApp est là, je l'écris. Voilà, voici mon numéro WhatsApp, vous allez le voir en commentaire. Contactez-moi et puis nous allons ensemble construire quelque chose de valeur. Voilà, le numéro WhatsApp est là. Je viens de le mettre, il est épinglé. Voilà, je vais le réécrire ici. Voilà, ça c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Laissez-moi d'abord un audio pour me dire la cause, pour me dire si ou si la cause pour laquelle vous venez vers moi, parce qu'en général je ne réponds pas tout de suite quand les gens m'appellent. Voilà, donc je vous laisse le numéro WhatsApp. Ceux qui connaissent le numéro de la secrétaire peuvent aussi la contacter. Voilà, nous allons faire une liste de personnes. 19, 98, 68, 95. Nous allons faire une liste de personnes. Nous allons créer aussi un groupe WhatsApp. Et puis nous allons mettre quelque chose en place pour pouvoir aider nos frères et sœurs, nos enfants, et nos mamans, nos papas, et les personnes qui sont dans le besoin. Je pense que c'est une très bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.